Alors, bonsoir à tous, nous sommes toujours en direct du coup, enfin on n'est pas en direct mais du coup, nous sommes toujours au centre du lycée Modeste Leroy pour le service national universel et nous avons du coup 4 jeunes qui sont du coup autour de notre table et qui vont se présenter un par un, nous dire d'où ils viennent, en quelle classe ils sont et voilà, se présenter principalement. Donc, qui veut commencer? Vas-y, je t'en prie. Bonjour, je m'appelle Ilan, j'ai 15 ans, je viens du Morbihan. Vers Auray pour ceux qui connaissent, et je suis en seconde. D'accord. Moi, je m'appelle Lilou, je suis en troisième et je viens de Vannes. D'accord. Moi, je m'appelle Anastasia, je suis en seconde et je viens de Vannes aussi. Okay. Moi, c'est Maëlle, je suis en première et je viens de Bretagne. D'accord. Alors, pour vous, quel est votre ressenti au sein du SNU? Moi, personnellement, j'étais un petit peu forcé d'y aller. Et là, je trouve que c'est vraiment super, c'est une très belle aventure. Même les activités qu'on fait et tout, c'est hyper captivant, vraiment j'aime bien. D'accord. Mais moi aussi j'adore, c'est trop bien. Okay. Bah, au début c'était un peu épuisant, mais à force bon, on aime bien. D'accord. Ouais, on fait de belles rencontres, franchement c'est cool. Hein. Ok. Si vous ne saviez pas ce que veut dire SNU, pour vous qu'est-ce que ça voudrait dire? Qu'est-ce que ça voudrait dire pour vous SNU si vous connaissez, si vous n'étiez pas impliqué à l'intérieur? Bah, pour moi, ce sera peut-être plus, plus proche du service militaire. Là, c'est vraiment beaucoup plus soft. Il y a plus de fun et tout. Vraiment, c'est... D'accord. Ouais, je suis d'accord. Moi aussi. Pareil. Bon, bah voilà, c'est parfait. Tout le monde est d'accord, c'est magnifique. Si vous aviez un petit bilan à faire sur votre première semaine sur le centre, sur les activités qui ont été faites, qu'est-ce que vous diriez? Franchement, moi, j'ai juste un mot pour décrire ça. Fatigue. Sympa. Bah, moi, comme ça, c'est franco. Hein. C'était vraiment fatigant. D'accord. Il y a beaucoup de courbatures aussi. Ah bah. D'accord. Ouais, c'était bien, mais ouais, fatigant. D'accord. Ouais, franchement, c'est cool, c'est bien. Est-ce que pour vous, c'est important de faire ça? Bah oui. En soi, c'est une belle aventure à essayer, c'est une belle expérience. Ouais, c'est ça. Faut essayer, faut le faire. D'accord. Si pour vous, vous deviez résumer le SNU en un seul mot, à part les mots que vous aviez dit du coup sur les questions précédentes. Cohésion. D'accord. Bah, sport. D'accord. Amitié. Ok. Je vais le dire. Ouais, tu peux en dire d'autres. Hein. tu peux dire deux mots. Je t'autorisais tout à l'heure à dire deux mots. J'ai pas d'idée là. Hein. T'as pas d'idée, bon, c'est pas grave, y'a pas de soucis. Si avec une baguette magique, bon, alors pour finir, si vous aviez une baguette magique, qu'est-ce que vous changeriez là sur le SNU là tout de suite maintenant? Les heures de lever et de coucher. Ah oui, moi aussi. D'accord, c'est ok. Trop, trop. Donc les heures du coup de réveil et de coucher. Bah pareil. L'arrêt du réveil musculaire. Les muscles dès le matin, ça pique. Hein. Ouais. D'accord. Bah écoutez, merci à vous d'être venus. Puis du coup, on va passer à 4 autres jeunes. Au revoir. Merci, au revoir.